pour le jeune, cette compétition va apporter de l'organisation, savoir bien s'organiser dans son poste de travail, dans sa manière de travailler. Allez, c'est parti, bon courage. Apporter du soin, de la précision, être soigneux et aussi surtout garder son sang-froid dans n'importe quelle situation. Il faut être minutieux, rapide et très précis au niveau des dimensions, des niveaux, des cotes et pas penser à autre chose, penser à la compétition. On a des jeunes qui ont vraiment appris leur métier, qui connaissent maintenant de beaux savoir-faire. Et donc c'est l'occasion de pouvoir aussi mettre en avant tout ça. Former des apprentis, c'est inné, ça fait partie, je dirais, du rôle du chef d'entreprise, puisque un apprenti sera notre futur compagnon, voire notre futur repreneur d'entreprise. Il y a 8 apprentis sur 10 qui sont en insertion professionnelle directement à la sortie de leur cursus, donc ça c'est extrêmement important. Et c'est une formidable opportunité, une insertion sociale énorme. Se mesurer à des gars qui sont entraînés aussi pour montrer ce qu'ils valent, et bah, je trouve que c'est intéressant. Quand on arrive sur un chantier, on repart, on voit vraiment la différence. Et puis c'est un métier intéressant, on ne fait jamais la même chose, donc ça me plaît. Les World Skills, c'est l'excellence des métiers. C'est un très bon moyen de valoriser la jeunesse, valoriser nos métiers et donner envie aux autres jeunes de rejoindre nos entreprises.